Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 16 de Stardew Valley. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire dans cet épisode? Donc, pourquoi elle veut pas sortir de son lit, elle? Ah, ça y est. Donc, la musique a changé. Ouais. Alors, du coup, oui, on avait planté du blé. Donc, requiert info. Ils sont déjà ramassables, vous croyez? Alors là, on avait mis notre blé, je me souviens. Donc là, j'étais la dernière fois en train de ramasser du bois parce que je voulais finir la quête des Juminos. Donc il me fallait du bois massif. Donc il en fallait 10, on en a 4. Donc on va continuer à casser quelques morceaux histoire de pouvoir finir cette quête. Hop! Et ensuite, donc il fallait du bois. Donc on l'avait, les cailloux, on les avait. Donc, ouais, il nous manque juste ça. Donc on va aller faire ça, on va aller voir les Juminos. Et on va aller rechercher des graines chez Pierre, pardon, pour avoir d'autres trucs à pousser parce qu'il faut savoir qu'on est déjà au jour 6, du coup, et que c'est problématique. Donc on va aller voir les Juminos. Avant, on va essayer de passer un coup de houe, on va essayer d'avoir... Ah, il nous en faut 10, hein. C'est ça le problème, les gens. Il m'en faut 10. D'argile pour pouvoir faire le silo. C'est ça en fait que je voulais faire surtout avant qu'on ait les problèmes liés au changement de saison. Oh là 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 là, les gens, on n'aura jamais ce qu'il faut, je crois. Hein. Si quelqu'un qui regarde la série sait comment faire, je suis preneuse parce qu'en vrai, c'est un petit peu galère de voir que bah on est en mode galérien quoi. Oh ouais, je l'ai enlevé, c'est pas très grave en vrai parce que bah il sert un peu à rien. L'arrosoir, malheureusement. C'est dommage. Donc on va quand en galère d'énergie. C'est ce qui pose le plus problème à l'heure actuelle dans le jeu. Alors. Bah écoutez, on va aller voir les Juminos. Ah bah j'en ai 6. Ok. Donc il nous en manque pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. 4 quand même, quoi, mais. Voilà, c'est mieux qu'avant, j'ai envie de dire. Bon. Je finis juste les deux morceaux là. Ouais, allez, on va voir les Juminos. J'ai déjà plus d'énergie. Et j'ai rien à manger, je crois, dans les coffres. Hein. Ah si, je peux manger ça. Ah, écoutez, on va manger des trucs, hein. Histoire de pouvoir... faire les quêtes un petit peu. Alors voilà, on a récupéré un peu d'énergie. Je vais pas manger ce qui me reste sur moi. On va le garder en cas de secours. Donc on va continuer ça. Je vois qu'il y a des nouvelles plantes et tout. La dernière fois, j'ai pas pris le temps de regarder parce que j'étais un petit peu en PLS dû au changement de saison. On peut ramasser ces petites plantes là. Est-ce qu'elle nous reste... Non, il nous reste rien en santé, c'est juste des belles fleurs. Ok. Donc on va garder ça. On pourra peut-être faire des cadeaux à quelqu'un. On va voir. On va voir comment ça se passe. Bon, en tout cas, voilà. On est un petit peu en mode galérien. Ah, il y a des nouvelles plantes ici. On va aller voir si on peut les ramasser. Est-ce qu'on peut ramasser ça ou pas? Non. Ok. Alors, on se promène. On en profite, les amis, pour essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut ramasser et qu'on n'aurait pas prêté attention dans le passé. Parce que, voilà, c'est aussi intéressant de savoir ce qui se trame dans la ville et dans ce qu'on doit faire dans le jeu. Hop! Donc on va passer sur la plage tant qu'on est là, histoire de voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser et à vendre. Ah, il y a Alex. Ah, il y a des petits éléments qu'on peut ramasser là qui peuvent avoir de l'intérêt au niveau des quêtes des Juminos, je crois, parce qu'il y avait un truc où il y avait l'aquarium. Bon, j'ai pas encore vraiment pêché dans le jeu, mais il va falloir que je m'y mette à un moment donné, parce que bah, pour les quêtes, on va pas avoir le choix, même si ça me passionne zéro. Mais pour les quêtes, on va avoir besoin de ça. Alors, on va passer ici. Oh, nickel, il y a des bouts de coraux. Oh, il y en a plein. On a bien fait de venir, les gens. Oh, c'est cool. Je suis ravie d'être venue, pour le coup. Ça va nous rapporter un peu de fric. Hop. Alors, on descend. Par contre... Bon, c'est eux pour l'inventaire. J'ai tendance à oublier les gens. Je suis désolée. Pourquoi j'avais farmé 5 lingots de cuivre? Je ne sais plus. Il va falloir que je regarde à ça. Peut-être un truc à craft. Ah, il y a Elliot.
Bon, pour le moment, je me suis pas intéressée à qui j'allais, avec qui j'allais me rapprocher, histoire d'avoir quelqu'un qui va m'aider à la ferme. On verra ça plus tard. Là, j'ai vraiment envie qu'on arrive à avancer dans cette histoire parce que c'est vrai que au niveau de l'énergie, on est un peu coincé. Donc, j'aimerais que ça avance. Donc, je veux aller au niveau du centre communal. Donc, c'est là-haut, je crois. Alors là, c'est chez Pierre, donc c'est plus haut, il me semble. Ah, il y a des plantes qu'on peut ramasser. Ah, mais on peut pas passer. Est-ce qu'on peut ramasser les buissons? Non. Cette fleur-là, on peut pas la ramasser. Par contre, la violette, là, oui, parce qu'on en a ramassé une tout à l'heure. Bah, c'est pas la même. Les gens, c'était comme ça qu'on a ramassé, non? Non? Et l'eau, elle a fumé, elle a craqué, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a le centre communal, nickel, c'est ça qu'on voulait. Ah non, c'est pas les mêmes, c'est celle-là qu'on a ramassée. Voilà. Ah, il y a le chéri de Robin. Bon, écoutez, je ramasse ça. Je sais pas trop si c'est une plante qui plaît à un des personnages, on verra. J'essaierai de me renseigner à l'occasion. On peut pas rentrer. Ah, si, on peut rentrer, j'ai peur. Alors, je sais que la quête que j'ai ramassée, le bois, c'est par là. C'est la première pièce où on avait déjà commencé quelque chose. Alors. Ah non, j'étais rentrée dedans. Alors, c'est un celle-ci. Hop. Les cailloux. Et le bois massif. Ok, donc on a réussi. Nous parlons je sais pas quelle langue. Donc nickel, on a fini celle-là. Donc là, il nous faut pas mal de petites choses. Donc il faut des prunes, des mûres, des noisettes, des champignons. Ah, j'ai un four à charbon de bois! Oh, nickel, c'était un des trucs qu'il fallait que je crafte, je crois. Ouais, là, j'ai dit qu'il fallait qu'on retourne dans les mines, mais avec l'énergie qu'on n'arrive pas à avoir, ça va être compliqué. Ah, bah, j'en ai une. Bon, attendez, je vais mettre une comme ça. Est-ce que ça reste si on part? Oh, ouais, c'est génial, les gens! Oh, c'est génial si ça garde en mémoire! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le Juminos? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Oh! On a débloqué une nouvelle zone avec des nouvelles quêtes? Il va falloir qu'on le répare à fond le centre communal, les amis. Alors. Ah! Eh, j'avais pas pensé. Panais, haricots, chou-fleur, pommes de terre. Ah, oh, on aurait pu la faire depuis longtemps, cette quête. Un panais. Ah oui, d'accord, avec des trucs étoilés. Ah, va falloir qu'on regarde à tout ça. Il y a trop de choses à faire, des tomates, des myrtilles, des piments, du melon. Ah ouais, il faut qu'on plante tout. Là, il y a certainement des choses qu'on pourra faire avec la cuisine plus tard. Ah les gens, oui, il faut qu'on achète des graines de saison et qu'on plante tout et qu'on garde et qu'on revienne ici à l'occasion. Ah, trop bien, il y a des choses que j'ai oubliées, vous avez vu. Hop. Alors, dans celui-là. Ah, donc il va falloir du poisson à mort. Ok, donc il va falloir que je m'y mette. Donc, ça j'en ai un, du coup je vais le poser. Ça également. Alors, ça garde en mémoire, c'est juste top les gens, parce qu'on va pouvoir. Non! Mais remets-moi! Ah, j'ai pas le bon clic, excusez-moi. Hello qui est un petit peu en mode galérienne dans son cerveau, comme d'hab, je vais vous dire. Ah, d'accord, clic gauche pour ouvrir, clic droit pour ouvrir une quête. Ok, donc il va falloir que je pêche. Il va pas avoir le choix. Donc par contre là, la nouvelle zone. Donc là, il n'y a pas encore le bouquin, mais là-bas, oui. On va aller voir ce qu'il faut. Hop. Ah bah un lingot de cuivre, j'ai. On va le poser. Hop. Wow, il va y avoir plein de trucs. Ah, le quartz qu'on a dans les cristaux de terre, c'est ce qu'on a quand on fait les grottes. 100, à 99 slime. Ok, donc il va falloir regarder tout ça. Ok, donc il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on garde pour pouvoir finir les quêtes au niveau du centre communal. Le jour où on l'aura terminé, on sera bien content, je pense. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Donc, il est 14h, donc on va passer voir Pierre. Et tant que j'ai pas mon énergie full, quand j'ai dormi, je ne peux pas me permettre d'aller à la grotte, à la mine. Parce que, bah, clairement, quand on va à la mine, on a besoin de beaucoup de choses. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir le planning?
Je voudrais bien voir le programme. What the fuck? Bon. Ah, j'avais réussi! Alors, pourquoi des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas? Bon, bah, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Ah, on l'a enfin ouvert. Du coup, on est au jour 6. Donc, c'est l'anniversaire de Gus, le 8. Donc, le 8, bah, il y a demain et après-demain. Alors, ok, on va essayer de faire ça dans cet épisode. On va essayer de voir pour acheter des graines, du coup. On va un peu devenir pauvre, on va dire, mais voilà, on va avoir besoin de certaines choses. Alors, je prends 10 de ça. Des tomates, j'en ai une, je crois, dans mes coffres. Je vais pas en prendre plus. On va en prendre 5, vous savez quoi? Il va nous falloir du piment, donc pareil, on fait ça. J'aurais pas dû prendre tout ce que j'ai pris sur moi. Je peux pas le manger, donc je le vends. Des radis. Attends, est-ce que ça se plante à cette saison? Ouais, été, 6 jours. Du pavot, 7 jours. En vrai, on va planter pas mal de choses. De courge, 8 jours. Pousse d'été. Ok. Donc 5. Houblon, c'est pareil, c'est l'été. Le maïs, pareil. En 14 jours. Ouais, il faut qu'on plante un maximum de choses. Pour les quêtes. Je dis aux Géminos. Et il y aura encore les graines de tournesol que j'ai pas. Sucre, farine. Bon, tout le reste, on n'a pas besoin. Ah, on peut acheter des arbres, du coup, fruitiers. 28 jours. Donne des fruits au printemps. Ok, donc il va falloir qu'on s'intéresse aux arbres un peu prochainement. Bon, allez, on va retourner à la ferme. On va l'arroser déjà le blé qui est planté. Et je pense que le lendemain, on essaiera de planter un peu tout ça. Histoire de pouvoir avancer. Donc le problème est toujours lié à l'arrosage, hein, bien évidemment. Et à notre barre d'énergie qui a du mal à augmenter depuis qu'on a eu nos soucis. Alors, vous savez quoi? Pour le champ, j'aurais dû passer un coup de faux. Comme quoi on enlève l'herbe. Au lieu de faire ce que j'ai fait parce que j'ai fait une grosse erreur. Alors, on va arroser tout ça. Je fais une petite ellipse, le temps d'arroser, je vous reprends après les amis. Alors les amis, je vous retrouve parce qu'en fait, regardez, je viens de passer un coup de faux comme il me disait sur le champ. Donc, c'était parce que, clairement, c'était terminé. Donc, voilà, il fallait que je le fasse. Je peux pas poser le four dehors. Bon, bah écoutez. On va reposer tout ça pour le moment. Façon, comme j'ai dit, tout ça, je vais pas m'en servir actuellement. Donc on va aller ramasser le foin avant qu'il disparaisse. Donc j'ai pas envie de vendre le foin parce que je sais pas si j'en aurai besoin pour les animaux plus tard. Donc clairement on va les garder précieusement pour le moment dans les coffres. Vu que j'ai pas besoin d'arroser ça, et ben on va se permettre de mettre nos nouvelles graines. Histoire d'être tranquille, vous savez quoi. Donc on a nos tomates, on a tout. Ouais. Alors c'est parti. Donc on s'est appauvri entre guillemets, mais on va se rattraper. Il faut qu'on avance au niveau des quêtes des Juminos. Donc voilà quoi. Il faut voilà faire ce qu'il faut et puis voilà. Tac. Donc on pose nos piments, on pose les myrtilles. Donc faut pas que j'oublie que quand je récolte, il faut que j'aille aux Juminos déposer les choses. Hop, ok, donc tac. Du coup, le melon, j'en ai pris plus. J'aurais dû en prendre que 5 en vrai, mais c'est pas grave. On va s'en sortir quand même, les amis. Vous inquiétez pas. Il y a toujours des solutions, comme je dis. Hop, donc ça, là, tac. J'aurais dû faire en ligne au final au lieu de faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Oh non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Non, ça pour le moment, on s'en balance. Pour l'instant, ce que je veux, c'est avoir un champ avec ce qu'il faut. Ah ouais, il fait 6 de long, mon champ. Tant pour moi. Je peux pas planter ça? Oula, il y a un truc que j'ai loupé, les gens. Alors, attendez. Hop. Été 12 jours, c'est bien ça pourtant. Ah, j'étais trop loin, ok. Autant pour moi. Voilà, on a tout planté. Maintenant, il faut qu'on arrose. On va aller remplir ça. J'arrose au maximum et je vous reprends après, les copains. Alors, les amis, j'ai la barre qui tremble. Donc, on rentre. J'ai pas tout arrosé. J'ai peut-être arrosé
10 choses à tout casser, mais voilà, on n'a plus d'énergie, il faut qu'on dorme. Il n'y a pas le choix. Alors, on dort et dès que le jour est levé, on arrose tout. On arrose tout seul qu'on n'a pas arrosé parce qu'il faut qu'on avance. Donc voilà, ça y est, la nuit est passée. On a récupéré toute notre barre, les amis! Ouais! Oh, c'est trop bien! Oh, les gens, je suis heureuse! Ça y est, on va pouvoir enfin être à nouveau dans le game! Oh, dans la game! Dans le game! Et l'eau ne pas savoir parler à la France, désolé. Hop! Oh, je suis heureuse! Alors. Ah, plus d'eau! Allez, clique bien, hello. Bon, allez, sérieux, les gens. J'arrose tout ça et je vous reprends. Après, ça sert à rien de vous me regarder faire ça. Alors, les gens, je vous retrouve. J'ai fait la bécasse. Je me suis dit que j'allais bouger mon épouvantail qui était là-bas pour le mettre ici. Et quand j'ai voulu poser le chemin là, j'avais la pioche en main et du coup, j'ai cassé ma graine. Alors, je suis dégoûtée, mais tant pis, c'est pas grave. On va regarder un peu les crafts que l'on peut faire. Je crois qu'il y avait un truc que je voulais faire parce que je vois pas pourquoi j'aurais eu 5 lingots de cuivre sur moi si j'avais plus d'idées. Je vous avoue que je ne me souviens pas du tout de ce que je voulais faire. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu d'argile. Ah, nice! Un argile, les amis! Enfin, une argile, pardon. Et décidément, hello, singulier. Enfin, masculin, féminin, pardon. Allez! MDR, hello. MDR, MDR. Je ne sais plus parler la France. Tout va bien. Alors, je vous retrouve dès que j'ai mes 4 dernières argiles, les amis. Alors, les amis, je vous retrouve. J'ai quasi plus d'énergie, vous voyez. Et je veux arroser mes blés, histoire d'être tranquille. Mais j'ai eu que 2 argiles. Donc, il m'en manque encore 2 pour pouvoir aller m'occuper d'avoir tout simplement le silo, pardon. Je suis en train de perdre mes mots à moi. Et c'est pour ça qu'il me fallait du cuivre. J'ai regardé un peu de souvenir un peu les... Le début de la vidéo, et c'est ça. Donc, il faut 100 stones. Donc, il faut que je regarde combien j'ai de stones dans les coffres. Et il faut que je refasse cuire du cuivre, du coup. Voilà. Donc, hop. On a arrosé tout ça. J'ai pas envie de baisser plus en énergie. Je ne vais pas vous mentir. Parce que j'aimerais bien récupérer toute mon énergie pour le jour prochain. Hello, reste bien devant le coffre. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah, voilà. Du coup, ça, je vais voir si on peut le poser. On prend ça, ça, ça. Et c'est nickel. On a largement assez. Donc c'est bon. On va vendre tout ça d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vendus avant. Ah, on a des géodes à ouvrir également. Donc là, il nous manque je sais plus quoi pour pouvoir faire les trucs. Alors, on va essayer de poser ça à l'intérieur. Voir si ça marche ou s'il faut autre chose. Je ne sais pas trop. On ne peut pas le poser dans la maison non plus. Ah si, je l'ai pu poser là en plein milieu. Ok, donc on va le laisser là pour l'instant. Écoutez, c'est pas très grave. Du coup, je disais, il me faut 5 cuivres. Et il me faut un charbon que j'ai pas. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser le charbon? Le charbon, le four à charbon. Alors, ouvrez-moi l'inventaire, comme ça on va pousser un peu les trucs. Ok, on ne sait pas. Alors, artisanat. Où il faut 20 bois et un lingot d'or. Pour avoir du charbon, faire du charbon de bois. Ouais, bon. Comment vous dire que c'est un peu la misère. Du coup, il faudrait que je casse du caillou pour avoir du charbon. Donc, on va vendre tout ça. Ça va nous faire un peu de sous. Ok, voilà, ça c'est fait. Comme ça, on va récupérer un petit peu d'argent. On met ça là-dedans parce que j'en ai pas besoin. Donc, du coup, là, je sais qu'il me manque, du coup, 2 argiles. 2 argiles et qu'il me manque ça. Ok, je vais juste essayer d'aller casser un caillou en espérant, en priant les amis qu'on ait tout simplement ce qu'il nous faut. Non, de la pierre. Non, de la pierre. Moi, oh, la déception les gens. Et là, on a la barre d'énergie qui tremble, donc on rentre à la maison direct. On cherche pas à comprendre. J'ai pas envie de gaspiller encore de l'argent à devoir aller voir le médecin. Tac. Alors. Non, on va enlever ça de notre main. Parce que quand on se foire, on gâche de l'énergie. Sinon. Alors, les quêtes. Ouais, il faut qu'on retrouve le caleçon du maire. C'est vrai, j'avais zappé ce ça. Ouais, il faut qu'on construise notre premier poulailler. Donc, avant, je veux le silo. Et il faut qu'on arrive à avancer dans cette mine. Ok. Donc, là, l'objectif, c'est le silo dans cet épisode. Mais le prochain épisode, on va essayer d'aller dans la mine et d'atteindre. Apparemment, au niveau 10, on aurait un ascenseur.
qui permettrait de réatteindre le niveau 10 pour pouvoir descendre à chaque fois en fait. Donc ça serait cool de passer. Donc on est au jour 8. Donc on va continuer pour pouvoir avoir le silo et on verra. Nickel, on a récupéré toute notre énergie. Donc direct, on va tout simplement aller casser du caillou. Et après, on va essayer d'avoir un peu les deux argiles qui nous manquent. On va y arriver. Promis les copains, on va y arriver. Hop. Donc la fibre, comme je vous ai dit, maintenant je la stocke. Je ne la vends plus. Parce qu'on en a besoin pour certains crafts. Oh bah nickel. Oh les amis, c'est de toute beauté. Alors on va essayer de casser un arbre du coup. Comme ça, on pourra peut-être avoir un peu les trucs qui nous manquent pour pouvoir tout simplement faire les casse-croûtes. Toujours pas. Alors c'est quel arbre qui nous rapportait ça? Je me souviens plus les gens. Faut pas que je casse trop de bois parce qu'en vrai il faut que j'arrose toutes mes plantations. Quand on aura été voir Robin. Yes, je crois que j'ai ce qu'il faut. C'était les glands qu'il fallait. Je crois que c'est ça que j'avais pas. Attendez, on va aller. Ah non, minerai, pardon. Voilà. Alors, la fibre, je la stocke. Et c'était bien ça qui nous manquait, les glands. On va avoir deux casse-croûtes pour quand on va aller dans la mine. Oh, c'est trop cool. Ah là, je suis ravie, les gens. Hop. Le prochain épisode, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, il faudrait qu'on casse encore du chêne. Donc, ça, je la garde, la sève. Le bois, on le garde aussi. Donc, ce qui nous manque, là, à l'heure actuelle, c'est l'argile. Alors, notre zone est dégueulasse au pas possible, mais voilà quoi, il n'y a pas le choix. Il faut de l'argile et c'est le seul moyen que j'ai pour le moment pour pouvoir en avoir. Donc, je me trompe peut-être, j'en sais rien. J'ai essayé de chercher sur le wiki du jeu, j'ai pas trouvé de moyen en fait d'en avoir autrement. Je vous retrouve dès que j'ai les deux derniers d'argile, les amis. Yes, les gens, notre dernière argile. Regardez tout ce que j'ai labouré. En vrai, franchement, si on aura un tracteur et tout pour arroser, bah punaise, je vous jure, on serait bien avec tout ce qu'on vient de faire. Alors, c'est parti. On va aller voir Robin en espérant qu'elle soit chez elle. Parce que sinon, là, je fais une syncope. J'aimerais bien qu'on ait ce fichu silo dans cet épisode. Il n'y a pas de plantes à récupérer ici, donc on continue. Allez, c'est parti, on va voir Robin. On y croit, les gens. On va espérer que Robin ait ce que l'on recherche. Et soit chez elle, surtout. Parce que elle a ce qu'on veut. Mais est-ce qu'elle va être chez elle? C'est une autre histoire. Alors, en rentrant, il faut qu'on arrose. Donc je vais arroser au max, mais voilà quoi. Niveau énergie, on est déjà dans le bad aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Alors, il faut passer à côté, normalement, du centre communal pour aller chez Robin, si je dis pas de bêtises. Hop, 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 on monte. Allez, hello. Nice! Salut Dimitrius! Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Yes, elle est chez elle! Hey, tu te balades! Yes, je veux surtout acheter un truc. Construire des bâtiments. Attends, c'est quoi? Je crois que c'est ça, hein. Un puits. Ah, voilà, le silo. 100, non, 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 non. Construire. Ah, on va direct chez moi. Oh, c'est nice. Bon, on va le mettre là. Oh, trop cool! Ah, j'adore l'animation et tous les gens. D'accord, je commence les travaux à la première heure demain matin. Oh, nice! Merci, Robin! Bonne journée, Robin! Oh, c'est trop cool, les gens! Je suis ravie! Ah, il y a une plante. On va la ramasser. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Salut, ma petite dame! On ramasse ça. Hop. Alors, descend en ville. Comme on est là, on va passer sur la plage. Ah, je suis ravie, on a enfin le silo. Parce qu'au dernier épisode, normalement, c'était ce qu'on était censé avoir. Et qu'on n'a pas réussi à cause du changement de saison qui nous a pourri la vie. Oh, c'est trop bien, je suis ravie. Mais grave ravie, les gens. Alors, hello. Tu t'es foiré pour aller à la plage ou quoi? Alors, je me suis foiré, les gens. Alors, tac, on y va. Oh, il y a un truc que j'ai jamais eu. C'est quoi ça?
Un coquillage multicolore. Wow, c'est trop bien, j'en ai jamais eu. Je sais pas s'il faut pour les quêtes des Juminos. Il y a tellement de trucs dans la quête des Juminos que franchement on peut pas tout retenir. Donc on va le garder précieusement. Ça aussi, parce que je crois que lui, il en faut. Parce que le dessin gris comme ça me parle. Est-ce qu'on a autre chose ou pas, les amis? Dommage, j'ai rien d'autre. Bah écoutez, on a eu pas mal de choses la dernière fois et là on a deux éléments qu'on peut peut-être mettre au niveau du centre communal. Donc ma foi, c'est plutôt bien. Hop. Donc le prochain épisode, je vous l'ai dit, on va aller dans la mine. On risque de pas arroser les champs ce jour-là, mais voilà, on n'a pas le choix si on veut avancer. Dans la mine, on n'a pas trop le choix. Tac, tac, tac. Allez, l'eau. Donc on va mettre ces deux éléments-là dans les coffres, on va pas les vendre, et on verra si on en a besoin pour la quête des Juminos, la prochaine fois qu'on passe au centre communal. On va attendre que nos plantations aient poussé et tout, et on ira avec tout ce qu'on aura eu, pour essayer de compléter un peu les choses. Allez, on y va. Donc c'est dommage, à l'hiver j'ai complètement zappé, enfin au printemps du coup, à la saison d'avant d'amener les trucs. Mais bon, tant pis. Chose faite les gens, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Du coup, on va mettre ça dans les coffres. Non, le truc senteur. Ouais, si, j'ai peut-être de garder parce que je pourrais le filer à quelqu'un si il aime ce type de cadeau. J'arrose un peu et je vous reprends après, les copains. Alors, les amis, on commence à fatiguer, donc on arrête d'arroser. Mais on a arrosé quasi tout le premier champ avec les graines qui durent le plus longtemps. Donc, ma foi, on fait comme on peut. Donc, on va dormir, oui. Bah voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense, hein, parce qu'on a fait pas mal de choses. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Stardew Valley et je vous retrouve demain pour une vidéo. Voilà, je vous laisse ici les copains, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao, des bisous à tous.